Alors l'objectif maintenant, ça va être de réaliser un S. Donc dans une première vidéo, on a fait le premier coude à 150 de la vanne. Maintenant, on va faire le deuxième coude à 170 du premier coude. Donc dans un premier temps, on va marquer le tube à 170 du premier coude. Donc il faut bien se mettre à l'axe du tube. Voilà, 170. Ensuite, on va positionner le tube dans comme on l'a fait pour le premier coude. Alors attention à deux choses. Il faut bien mettre le coude dans le bon sens. Hein. Et ensuite, il faut faire attention à la planéité du tube. Donc avec ces cintrettes, c'est un peu difficile. On va souvent être obligé de retravailler le tube par la suite. Vas-y. Voilà, donc pareil, comme tout à l'heure, on s'arrête au marquage. Voilà. Et voilà, on a notre S qui est réalisé. Donc là, on va vérifier si le coude correspond bien au cote. Donc on a notre première 150, donc ça c'est bon. Et le 170, impeccable, d'axe à axe. Voilà. Alors, le problème avec la cintrette à main, c'est la planéité du tube souvent, qui est gêné par le manche. Donc là, on voit que les deux coudes ne sont pas du tout dans le même plan. Donc pour remédier au problème, on va recuire un des deux coudes. Donc on chauffe un petit peu le cuivre. Voilà. Voilà, parfait.